we sail a little bit high. Yo les riders et les rideuses, aujourd'hui petit unboxing, la SJ6 légende de SJCam. Donc voilà la nouvelle caméra que je vous parlais, et on commence tout de suite avec l'unboxing. C'est parti. On peut dire que déjà le packaging est vraiment super. Donc on se retrouve avec le chargeur, donc USB vers micro USB. Ici on a une petite lingette pour nettoyer. Donc là on a la caméra dans son étui étanche. Ici on a un écran. Donc voilà, on a un autre écran pour rechanger ça. Ici on a la colle pour scotcher les comment ça s'appelle. On va appeler ça les attaches. Donc une attache. Là on en a une autre. Là on a encore des grips. Là on a l'écran, enfin l'attache qui n'est pas étanche. Donc vraiment en été ou quelque chose comme ça. Là on a pour le guidon encore des attaches, un petit cache, je sais pas à quoi ça sert. Ah si, peut-être pour ça doit être pour cacher la lentille. Et ici on se retrouve avec encore une attache. Donc voilà, on va commencer du coup à voir la caméra. Je range tout ça, enfin je rassemble tout ça, et du coup on va allumer la caméra, on voit ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve du coup avec notre caméra. On va la sortir de son étui déjà dans un premier temps. Donc hop, là on la sort. Là super, la boîte a l'air vraiment étanche. Je pose ça ici. Donc là voilà la caméra. Donc on va l'allumer. Voilà, donc première image. Donc on peut voir déjà qu'elle est tactile. Donc hop. Ah pardon. On peut voir déjà qu'elle est tactile. On voit pas très bien à l'écran, mais bon, on peut régler la taille. On a aussi le wifi ici. Là on a un écran de contrôle. Donc là on voit que je suis dans les options. On a la lentille, la petite marque SJCam ici. Le focus il veut pas se faire. Donc voilà, donc je vous mettrai un post sur Instagram pour vraiment un peu mieux voir. Donc là on peut voir c'est tactile hein, comme je le disais. Voilà, donc on peut un peu tout régler. Vous aurez toutes les infos dans la description. Ciao tout le monde, ciao.